Salut la gang, on est rendu à la journée 2 et je vous apporte avec moi en Autriche. Regardez le paysage, comment c'est magnifique, on peut aller partout dans le monde. Je sais pas demain on va aller où, mais présentement, quelle belle place. Alors on se souvient d'hier, quand on veut décoller, on enlève notre barrure de contrôle de vol et ça serait important de mettre de la puissance, donc on enlève nos freins. On monte la puissance pour accélérer, la piste est courte ici. La vitesse est bonne, je tire vers moi. Parfait, on est dans les airs. Quand on est dans les airs, puis qu'on est sûr d'être dans les airs, c'est important de monter les roues. Bon, parfait, tout fonctionne bien jusqu'à maintenant. Regardez, il y a des montagnes partout. Avec cet effet de profondeur, ça va être facile pour moi de vous expliquer comment fonctionnent les mouvements de notre avion quand on est dans les airs. Donc, c'est sûr que je vous en ai déjà parlé hier, si je tire vers moi, et je tire et j'arrête pas, ben ça se peut qu'à un moment donné, l'avion décroche. On a un pusher. Le pusher, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit système qui va pousser sur les contrôles pour me dire « Hey, t'as pas le droit d'aller jusque-là. On veut te raccrocher. On veut que tu voles avant de décrocher. » Donc, si je tire toujours comme ça, à un moment donné, le pusher, il va avoir le stall buzzer. Et voilà, le stall buzzer, et ça shake. Tranquillement, ils vont pousser mes contrôles. Il y a un système qui va pousser sur mes contrôles tout seul. Hop, je sens que ça décroche. Hop, vous voyez, le système a poussé. Le système a poussé par lui-même. Fait que même si je retire encore, je dis non, 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 je veux continuer à tirer. Il y a un système qui va pousser, qui va donner une pression d'environ 80 livres sur mes contrôles. Bien, j'ai beau tirer. Stick shaker. Stick pusher. Wouh! Il descend le nez. Donc ça, c'est pour le décrochage, parce que le Dash 8, comme lui, un Dash 8 300, c'est extrêmement dangereux. On se souvient de l'accident de Cole Gunner qui a décroché un avion en vol. Ils ont mis l'autopilote, ils ont mis la fonction altitude, ils ont sorti les roues, ils étaient en train d'aller atterrir, ils ont coupé la puissance. L'avion a arrêté de descendre, l'autopilote a capturé, et regardez ce qui se passe. Ma vitesse est en train de descendre, les pilotes étaient bien relax dans le cockpit. Ils volaient plus vraiment leur machine. Ils faisaient comme j'étais en train de faire avec vous. Il était en train de regarder en arrière. Et à un moment donné, l'avion ne pouvait plus voler. L'autopilote va se désengager. Il était à basse altitude, environ 2500 pieds. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Hop! Stick shaker! Là, il a fait un saut, il a pris les contrôles. Il a tiré encore. Oh! Vibration, qu'est-ce qui se passe? Pusher, il a embarqué. Lui, il s'est dit non! Il a retiré encore. Il a retiré encore. Il a retiré encore. Ça a fini par être un crash parce qu'à un moment donné, le Dash 8, hop! Le nez a penché, il a fini par aller staller. Il a rajouté un peu de puissance, mais jamais assez. Une erreur humaine qui a fait autant de morts. Donc, c'est important d'apprendre de ces choses-là et de ne pas faire les mêmes erreurs. C'est ça, être pilote d'avion. Ne pas juger, mais continuer à apprendre constamment. Pour nous, revenons à notre pilotage. Donc, vous me voyez aller en trois dimensions. Quand on flotte, quand on est dans les airs, on ne peut pas être comme en auto. Donc, on ne peut pas juste fonctionner sur deux axes. Il y a trois axes qui existent. Tout d'abord, on a le mouvement autour de l'axe de roulis qu'on appelle. Quand on parle de roulis, c'est que l'avion, elle tourne, elle roule. C'est comme si on piquait le nez jusqu'à la queue puis on tournait autour de cet axe. Fait que ça se fait avec les ailerons. L'aileron de gauche et l'aileron de droite. Vous voyez, si je tourne, je tourne autour de cet axe. C'est certain que si je tourne mes ailerons et que je les corrige pas, c'est-à-dire, regardez, je prends cette position-là puis je la laisse tourner comme ça, bien, ça va tourner constamment, ça arrêtera jamais de tourner, puis on va finir craché. Ou il va falloir faire un tonneau. Fait que c'est important que quand vous avez trouvé la bonne inclinaison de votre virage, vous voyez, je vais ramener mes ailerons au neutre. On a également la gouverne de profondeur en arrière. La gouverne de profondeur, elle qui me servait pour le décollage, eh bien, on tire. On pousse, on tourne autour d'un axe du bout de l'aile de gauche au bout de l'aile de droite. Vous voyez la distance avec l'horizon, on voit la montagne. Donc cette ligne-là, on joue avec, fait qu'on tire ou on pousse. Fait que ça, on appelle ça le tangage. Vous voyez, on tend comme un bateau qui est sur l'eau, fait que ça fait du tangage. Le dernier mouvement, c'est non pas le moindre, c'est le lacet. Le lacet, c'est fait avec les palonniers. Les palonniers, c'est la gouverne de direction en arrière qu'on contrôle avec les pédales. Et puis, c'est quand je pousse sur la pédale de droite ou de gauche. Vous voyez, le nez, là, les ailes restent droites. C'est le nez qui se déplace. J'appuie pas beaucoup parce que j'aime mieux que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Fait qu'on est en train de se déplacer sur cet axe. Ça s'appelle
le lacet. Le lacet. Et puis l'axe, eh bien, passe bord en bord, du dessus au-dessous de l'avion. Vous allez voir, on va s'en servir beaucoup pour les atterrissages, vent de travers du lacet. N'oubliez pas que les lumières sur un avion, l'aile de gauche, c'est toujours rouge et l'aile de droite, toujours vert. Ça, ça change jamais. Vous pouvez les reconnaître en les regardant dans le ciel grâce à ces lumières. Hey, c'est pas mal beau en Autriche. Ça, c'était l'alarme pour l'overspeed. Quand on va trop vite, cette alarme-là, ça sonne. Il faut pas l'entendre. Là, je m'amuse, je suis dans un simulateur, mais quand même. C'est juste du gros fun. Demain, je vous parle des atterrissages, les BDF. C'est la partie la plus dangereuse, si on peut appeler ça de même, du vol. D'ici là, soyez Blue Dot, parce que le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos. En Autriche.